insensible. Et lorsque ses parents l'abandonnent, il n'a plus qu'une pensée, leur conversion. Un jour, il demande à sa tante : les mamans qui abandonnent leurs petits-enfants vont-elles au ciel ? S'il ne comprend pas l'attitude de ses parents, il ne les juge pas et leur pardonne parce qu'il les aime et qu'il veut les retrouver au ciel. Il commence à offrir des sacrifices de toutes sortes pour ses parents. Un jour qu'il est couché avec une forte fièvre, il demande à sa tante de faire venir le prêtre pour le confesser. Surprise et inquiète, elle obtempère. Après le départ du prêtre, Louis lui demande s'il lui a fait de la peine, car elle avait pu croire qu'il allait mourir. Il lui expliqua : « Je voulais simplement savoir si je n'étais pas trop petit pour mériter pour mes parents, et si j'étais trop jeune pour faire pour eux le sacrifice de ma vie. Je voulais avoir la permission, et puis je tenais à être pur pour faire cela. » Dès lors, tout sera pour lui occasion d'offrir à Jésus, pour les pécheurs, pour ses parents. Sa santé se détériore et il sait qu'il ne se le relèvera pas. Mais il accepte de bon cœur. Il supporte ses accès de fièvre avec patience et douceur, sans se plaindre quand il souffre. Il embrasse son crucifix, car il sait que tout sacrifice tire sa valeur de son union à Jésus. Il reste joyeux, calme. Si on lui demande « Et votre morale ?» il répond « Oh, mon moral, il est comme l'avion, il plane. » Je regarderai souvent mon crucifix, surtout quand je souffrirai ou que j'aurai de la peine, et je dirai à Jésus « Oh Jésus, c'est pour votre amour. » Chaque soir, je ferai mon examen de conscience et je demanderai pardon à Jésus de ce qui lui a déplu dans ma journée. Je ne me coucherai pas en étant fâchée contre quelqu'un. Je demanderai pardon le plus tôt possible. Jésus, miséricorde.